Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre colonel, sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Nous avons un problème. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général, les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. John. Laswell. Vous êtes où? Occupé. J'ai un problème. Les Russes? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand? C'est déjà fait. Sergent Garrick, répondez. Ici Garrick. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut être pire. On a des snipers en position? Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef? Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris? Oui, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord? Ok. Sergent. Regardez. C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, mes frères! Ils sont là. Là! On y va! Bouge pas! Je dis. Police, plus haut! Les mains en l'air, maintenant! Mains en l'air! Tout de suite! Waouh! Oh merde. La voie est libre. Groupe est mort, ils l'ont abattu. Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est merdé. Il y a une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Regarde un peu ce que vous faites. C'est pas terminé. En avant. Ils sont des fusils d'assaut. Ouais, et nous on a que nos armes de service. Ah la vache, entre les civils et les... Ça m'a fait une belle, là. Merde. Et... À toutes les unités, attention, les suspects avancent vers le sud par les magasins. Suivez-moi. À toutes les unités, gaffe où vous tirez. Il y a des civils dans la zone. Il y a un mec qui tire là-haut à gauche. Non. Que toutes les UR rejoignent les canis. Agent à terre, je répète, agent à terre. Ah mais les civils, à terre. Oula. Il a une bombe. Putain. Merde, derrière moi. Envoyez-nous des renforts immédiatement. L'armée est prévenue. Bah là oui, pour l'armée. Hein. Jusqu'à son arrivée. À toutes les unités, suspect à pied au nord vers l'immeuble du tantôt. Deux hommes blancs, vêtements noirs avec des fusils automatiques. On dirait des AK. L'un des deux porte une cagoule. Projet arrive bientôt. Alpha Whiskey, 2304, à vous. Ici Sabre 2, librairie sécurisée. À
on les protège. On a 4 civils pris au piège près du bus rouge. Je suis pas armé. J'ai besoin d'aide, tout de suite. Ouais. Je les vois les civils, mais... On a un ennemi près du bus rouge. J'arrive. Merde! Un suspect a intercepté les civils. Ouais. Fuyez! Restez pas là! Waouh. Merde! Deux civils, équipe d'assaut. On arrive aussi vite que possible. En route! Ah putain, y'a un truc que j'ai pas intégré, c'est quand il meurt, il s'explose, putain. Ça va? Dans d'autres jeux, normalement, quand tu le tues. Ça pète pas, hein. Waouh. Bien sûr, sergent. Les suspects se replient dans l'immeuble du Tanto au nord-ouest. Que toutes les unités couvrent immédiatement l'immeuble du Tanto. Putain de merde, il y a des débris partout. Raven, sabre 2. Agent à terre devant l'immeuble du Tanto. Agent à terre. Nom de Dieu. Quelle est la situation pour les otages? Va falloir que j'entre dans le bâtiment. Tenez-vous prêts. À toutes les unités, aide urgente, tout le monde tiré. Plusieurs victimes, on va bien s'en. Oh la vache, merci. Elles hein. Sont 15. Je vous couvre, vous êtes armés. C'est Price. Oui, chef. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Sécurisez les angles. Des otages, en haut. Otage, ouais. Il y a un mec avec... Oh merde. Ça va péter si on le tue. Bordel. Ah non, ça va, c'est un otage. Hein. J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi, je suis pas avec eux. À toutes les stations, on a un homme avec une bombe. Gardez vos distances. Pitié, je veux pas mourir. Je rentre chez vous. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. Oh merde. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. C'est violent. À toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Uruzgan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim? On s'est croisés. Donnez mon nom. Oui, ils le tueront.
Quel est le message du capitaine Price? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Alcatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Alcatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Alcatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi? Qu'ils attaquent l'Europe? Ou l'Amérique? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, faut y aller. C'est qui, lui? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Bienvenue en Urzikstan, Alex. Suis-moi.